Oh oui, Macky Sall fait et défait la loi. L'hémicycle a voté le projet de loi d'habilitation anticonstitutionnelle selon Maître Abdoulaye Tine. Et oui, Macky Sall fait et défait la loi sous l'œil des opposants qui remettent en cause la volonté de gérer la crise en toute transparence. Loi d'abus ou d'habilitation, des jours pour prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, des jours pour prendre des mesures d'ordre économique, budgétaire, sécuritaire et sanitaire, des jours où les députés sont réduits au silence, peut-être des mois. Et oui, Macky Sall fait la loi au pays de la Teranga. La Teranga, c'est ce qui a accueilli les entreprises étrangères, peut-être le vaccin contre le coronavirus. Oh oui, le bourg doit-il accepter le vaccin des Occidentaux dans notre pays? Et oui, apparemment, nous sommes des cobaye pour les Occidentaux. Un tweet certifié informe un échange entre notre bourg et le président Macron. En tout cas, les tests médicaux des Français à la France. Et oui, fini la dépendance, place à l'indépendance. La fête de l'indépendance marquée par la générosité de notre bourg. Des factures d'eau et d'électricité des abonnés de la tranche sociale prises en charge pour combattre la pandémie causant des morts dans le monde. Libre des imperfections de ce monde. La fête de l'indépendance sans Goldberg, paix à son âme.